much, everybody. Salut tout le monde, on aura un nouveau premier ministre au Manitoba et ce sera Wab Kinew. Bienvenue au Vidéojournal. Voilà, Wab Kinew a passé une très belle soirée hier soir. Mais ce matin, il était ici à l'intérieur de l'Assemblée législative pour répondre aux questions des journalistes. Pendant la campagne, il a fait beaucoup de promesses, il a beaucoup parlé de santé surtout. Ce matin, les journalistes lui ont posé des questions sur ces promesses-là et comment il allait faire pour répondre à toutes les attentes. Aujourd'hui, Wab Kinew garde les mêmes priorités qu'il avait pendant la campagne, la santé. Il garde aussi ses promesses comme geler la taxe sur l'essence, fouiller le dépotoir de Prairie Green aussi. Mais M. Kinew reste quand même très avare de détails. Va falloir attendre pour en avoir plus de détails. Nous travaillerons comme votre prochain gouvernement pour améliorer le système de santé. Bon, pendant ce temps-là, on continue de suivre ce qui se passe avec les résultats partout dans les 57 circonscriptions. On n'a pas encore reçu tous les résultats. Il reste encore 7 circonscriptions où il manque des résultats, mais au moment où je vous parle, les néo-démocrates ont remporté 34 sièges selon les résultats non officiels contre 22 pour les progressistes conservateurs et les libéraux n'ont réussi qu'à en décrocher une seule victoire, une seule circonscription. Et en terminant, bien c'est certain, cette élection-là, historique, ça a créé des réactions partout à travers la province. Voici ce qu'on dit, là, les gens, partout à travers le pays aussi. Je veux commencer en félicitant Wab Kinew pour son élection avec le NPD du Manitoba hier soir. This is really exciting, I think, to have the very first Indigenous premier of this country, to see Indigenous people take their rightful place as leading organizations, governments, and now provinces. I'm very excited for him. Je suis content qu'on ait le premier Première Nation premier ministre au Manitoba. Ça me fait fier. Alors voilà, c'est ce qui complète le Vidéojournal pour aujourd'hui. Je vous souhaite une merveilleuse journée. On se retrouve demain pour un autre Vidéojournal. Au revoir.